Vous allez vous débarbouiller tous les deux. Pas la peine, je me suis déjà lavée hier. Tada! Arrête de faire ton clown, Tchoupi. Venez vous débarbouiller. Voilà, je suis propre. Je peux rejouer avec Elliot. C'est une toilette très rikiki, ça. Une toilette de chat. Une toilette de chat? Miaou! Dis, miaou, 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 pour faire rire maman. Allez, miaou, miaou, miaou. Encore, miaou, miaou, miaou. Tu as peut-être le museau débarbouillé, mais regarde tes mains. Et dans le cou, et même sur les bras, tu as du maquillage partout. Dès le départ de ton cousin, tu prends une douche rapide. C'est ta maman, Elliot. Elle me demande si tu aimerais dormir ici ce soir. Moi, je suis d'accord. Et toi? Ouais! Génial! On va pouvoir jouer encore! Bon, eh bien, je vous laisse. Je crois qu'ils sont contents. D'accord, alors un bon bain pour tout le monde. Il n'est pas très drôle, ce bain. Il n'y a que de l'eau. Merde! Si on mettait ton gros bateau... On peut pas, parce que des fois, il coule. C'est pas ça qui manque. Il faut de la mousse! Dis avec moi, il faut de la mousse, maman. Allez, dis-le. Il faut de la mousse, maman. Il faut de la mousse, maman. Je vais coucher Fanny et je vais chercher des serviettes propres. Lavez-vous maintenant. La 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 la. Plouf, plouf, plouf. Là, il y a plouf, plouf, plouf. À quoi je ressemble, Doudou? À quoi je ressemble? C'est facile! À un caniche? À un pirate? Ou au Père Noël? Mais oui! Au Père Noël! Ho, ho, ho! Oh oui, c'est trop bien! Ça fait deux Pères Noël! Ah oui, mais des Pères Noël sans lutin, c'est pas des vrais Pères Noël! Hein, Doudou? Et si on chantait pour que Doudou fasse le lutin? Chante avec moi. Si tu es un bon lutin, viens dans le bain. Allez! Si tu es un bon lutin, viens dans le bain. Encore! Si tu es un bon lutin, viens dans le bain. Une dernière fois. Si tu es un bon lutin, viens dans le bain. Allez! Viens dans le bain, Doudou! D'accord. Comme tu aimes pas l'eau, je te fais juste un chapeau pointu. Vous n'êtes pas encore lavé? Pas besoin. Le bain, ça lave tout seul. C'est magique. Non, non, non. Ça ne suffit pas de se tremper dans l'eau. Il faut penser à frotter quand même. Moi, à ma maison, j'ai un gant en forme de baleine. Moi aussi, j'en avais un bien en forme de requin. Tu le vois, mon gant en forme de requin? Merci. Les autres, ils ont l'air bien aussi. Je vais tous les prendre. Bon, il est temps que vous vous laviez. Sinon, vous allez fondre. D'accord, on se lave. Mais on veut le faire tout seul. Ah oui, mais comment on se lave bien alors? Il faut rajouter de la mousse
faut nager dans la baignoire. Ou il faut mettre du savon sur un gant et frotter. Oui, tu as gagné. Il faut se laver avec un gant et du savon. Et bien frotter. J'espère que le requin ne va pas me croquer. Dis donc, Doudou, toi aussi tu as joué au clown. T'es tout sale, tu dois prendre ton bain. Voilà, Doudou, tu peux te mettre dans le bateau et tu seras même le capitaine. Tu seras pas mouillé du tout, hein. Alors, capitaine Doudou, il est bien ton bateau? Et si on faisait une tempête? Et une grosse! On verra si Doudou est un bon capitaine. Secoue les bras pour agiter l'eau et faire la tempête. On y va! On fait des vagues! Oh là là! Doudou joue au sous-marin. Ça va pas du tout, ça. Le tapis aussi a pris son bain. Il est trempé. Il est temps de sortir du bain, maintenant. Oh non! On a encore trop de choses à faire avec Elliot. On doit faire une bataille de poissons, une pêche au canard. Si tu t'ennuies, tu peux t'occuper de Doudou. Il est tout mouillé. Tu fais comme si c'était ton fils préféré. Tu le sèches, tu le mets en pyjama, tu lui fais un câlin. Enfin, tu sais, quoi. C'est vrai, c'est elle, la maman. Elle sait tout faire.